Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, nationale, population haïtienne, cap coupez-nous dans tout coin pays d'Haïti, bonsoir. Nous souhaitons bienvenue dans la conférence bilan pour la presse. Président République, la Excellence Jovenel Moïse, Pralbay, dans le cadre célébration premier anniversaire de notre pays. Nous remercions tous les médias qui font effort pour la conférence pour la presse en direct. Nous permettons de citer, s'il vous plaît, dans la zone métropolitaine, Télévision nationale d'Haïti, Scoop FM, Télé Pluriel, Métropole, Pacifique, Superstar, Vision 2000, Galaxy, Guinée. Nos provinciaux, particulièrement dans le sud, Radio Télé Makaya, Télé Chaîne 6, Radio Télé Nami, Radio M, Radio Musique FM, Radio Massacre dans Wanamet. Nos grands danses, surtout dans la ville Jérémy, Radio Lombi, dans le nord-ouest, dans la zone FM, dans Atibonite, Gonaïve, Axemac, Radio Tête à Tête, Radio Télé Tradition, Radio Télé Amani. Nous avons tous des radios télévisions qui peuvent transmettre dans la diaspora. Nous saluons Pimambouk, nous saluons Radio Mega dans Miami, nous saluons Island TV et nous saluons H-Live TV dans France, plus particulièrement dans Paris. Ainsi que Radio-Télévision Caraïbes dans la zone métropolitaine qui l'a avec nous à Soya. Encore une fois, on a dit tous les médias, merci pour vous, j'ai fait ça, le fait nous en direct à Soya. Je remercie tous les journalistes et tous les médias qui répondent présents à l'invitation. Nous avons lancé la conférence de presse bilan, président Jovenel Moïse. Mais en premier temps, m'a invité à assistance garder documentaire salé pour nous préparer pour nous à cela. Agriculture et environnement, pour nous l'entendre. Pour l'agriculture et puis protéger l'environnement, c'est des bagages qui sont importants pour l'administration. C'est pour ça, ensemble avec l'équipe, nous avons toute attention à deux secteurs salés. Dans la première année de l'année, parmi un pile de travail, nous faisons accompagner les paysans de l'aider à nous reconnaître la culture. Nous avons le tracteur, l'outil, à tout train d'école. C'est ça que je dis là. Nous commençons à augmenter la production du riz de matin. Nous utilisons le canal d'irrigation pour lui dépenser 47 millions de dollars chaque année. Ce travail nous te permet, ce travail nous te permet. Travail pour garder la lumière et puis que tout pays sur la terre a respecté. Puis nous, l'administration de Lisa Fontaine, notre travail pour garder la lumière. Nous remercions pour attention, non, c'était une la première. Pas de courant dans tout pays. Hein? C'est l'engagement qui est plus important que nous avons envers et envers tout le pays. Ensemble avec l'équipement, nous travaillons pour nous réaliser tout ça que nous avons. Le premier année, l'administration de Lisa Fontaine, nous avons fait envers et à toute famille de Dieu. Nous travaillons pour plus de nous. Nous avons encore là pour 4 courants, la caillou 24 sur 24. Nous avons fait les Iba, le dernier bout de pays. L'année plus pauvre, l'année 2018. Travail nous te permet, c'est travail notre travail. Travail pour nous garder dans la lumière et puis pour tout pays sur la terre à respecter. L'année administration de Lisa Fontaine, notre travail pour la vie meilleure. Construire plus à pivot dans ton pays,
c'est le même objectif qui est plus important pour l'administration. Ensemble avec l'équipe, je travaille pour réaliser tout ça que je te promets. Je vais bien connecté. Il est bon route, dans toute ville, dans toute section communale. C'est le pays côté de l'économie, parce qu'il y a bien plus d'activité économique, plus de développement dans toute région et puis plus de travail. C'est le but que nous choisissons pour Haïti. Nous construisons un pilote, un groupe Estel, Cobray, Route Cafoujoff, en Saint-Félix. Nous construisons une route dans toute ville de Caille, Route Cafoujoff-Méridien. Nous construisons un pont, une zone pêche, Saint-Raphaël, Bois-Ouest. Nous tirons un pays canal. Nous installons une usine asphalte dans la Kilo. Gros monde, accompagnons pour que vous allez passer plus bien. Ce travail nous te promet, ce travail n'a pas travail. Travail pour nous garder dans la vie mieux et puis pour tout pays sur la terre respecter. Santé ou programme social, c'est priorité gouvernement. Nous remercions encore une fois pour attention. Santé ou programme social, c'est priorité gouvernement. Il y a une plus grande responsabilité qui est bien importante à l'administration humaine. C'est pour dire. C'était donc quelques non documentaires que l'équipe communication présidentielle a préparé dans le cadre de célébration. Premier électricité, c'est deux éléments qui ne sont pas capables. Depuis le pays, nous avons tout bon vrai développement. Mais pour ça, nous avons tout bon, il faut que nous avons qui parle pour prendre bien une décision, qui a bien agi avec nous, qui a un bénéfice majoritaire. Le pays d'Haïti de 27 750 km², le plus passé 11 millions d'habitants la donne. Mais bien évidemment, 7 millions qui n'ont pas accès à l'électricité. Obligé de porter ce paille. Ça qui la cause, service à la cause, service à Dieu qui produit en Haïti, souvent qu'on peut picher parce que ça qui se tient dans le bord. Ça qui découvre l'infrastructure du CEO depuis 30 dernières années, de quel petit passé nous qui fait, nous qui grandit dans le pays. Mais l'un considéré, faiblesse qui vient dans l'espoir et ce combat international, le crédit de l'argent qui peut être un peu plus fort. C'est ça que vous avez dit.
de travail à toutes les lumières qui peuvent utiliser tant de temps qu'une évaluation. La peine, j'ai toute femme qui peut venir dans le système. Et puis, mettez les yeux, peut-être qu'il n'y a pas de vous connaissez ce qu'a fait nous, mais toute une usine qui peut tromper, un petit peu d'aide quelconque, ou bien qui peut manquer une pièce. Vous savez que l'innovation, chef l'État a décidé de changer la loi. La travail a été pris pour votre pays-là, pour retirer le pays-là d'en face à une intention. L'Italie, le réseau national, votre pension, capte à peine pour plusieurs villes et une usine pas plus ensemble. Vous placez plusieurs usines qui servent à grand du soleil, de diverses côtés du pays-là, et spécialement dans le domaine de la planète. Chef l'État a placé plus de réseaux qui servent à vin et qui parlent sur le pays. Et puis bien la banque, le système qui servent à batterie, conserver pour nous, et puis le moteur diesel, un bateau. Si toutefois, tu as plusieurs jours sans soleil, sans vin. D'un côté, population n'a pas trop rapide, et peut-être pas une tout pour eux, a bien mis le réseau, car pour notre monde, ça a déjà pris une grande boulot, bénéficier pour un 24 sur 24 là. Décidez de mettre un programme pour mener Kaïtab pour mener. Nous avons pu tout éclairer, peut-être pas de passer, bien dans la porte. Le programme ça a déjà approché dans le deuxième pays-là, pour qu'on ait sauvé deuxième section communale de Tibouli, déjà fait une grande amélioration. Nous passons grâce à tout ce qui est chargé téléphone, tout est radio, et puis nous nous appelons pour éclairage. Ça fait la pause, on a un appel, étudiant, pour nous faire une loi, pour rien à programme Kaïtab pour mener. Excellent journal de l'île, fini en affaires notre d'infection communale. Vous n'êtes pas venu sur la tête du bâtiment de la primaire, comment nous avons bien l'initiative de tarifier par vous. La première fille, du coup, on va parler du bâtiment de la tête du bâtiment. Mais vous n'êtes pas venu, pas seulement du bâtiment de la primaire, mais pour tout pays. Notre connexion est toute jeune pour tout communauté, c'est une partie de l'unité administrationnelle. C'est recevoir un peu de critique parce que nous parlons de Chita seulement dans le palais national. Nous marchons dans toute section communale. Nous déposons plusieurs usines à soif avec des matériels qui étaient glissés, qui étaient serrés en barrage, ou bien qui étaient des services privés. En plus, nous ne pouvons pas le pays. Ça coûte la pause. Manger une peu par équipement qui était sur le pays. Ou bien que ça doit être cimetière, tellement c'est juste dans le matériel qui était été. Il était très difficile pour nous capter le à prendre pour servir la population. Tout de nous savons. C'est la cause de tous les motifs que vous tenez par ici, nous nous voulons à vivre dans le monde de l'Église pour lutter ce pouvoir. Monsieur, le porte-parole,
pour prendre les fruits de l'Église. Je vous dis, c'est 6 février, ça fait exactement 364 jours. Et mon esprit, nous vous m'avons pleuré, monsieur, vous faites même, depuis, et puis c'est moi, de voir, de vivre en peuple, non pas une nation. Nous devons deuxièmement, vous devez respecter la constitution. Et nous devons deuxièmement, vous devez mettre le temps au service.
de coordination caravane. Au lieu de 10, il y a un peu de moins 14.
je vais le venir. Pas de génération spontanée. Et puis je viens ça m'a. Regarde pas passer mon pays. Je ne sais pas quitter des liens. Depuis je viens non. Dans la relation, ça a déjà des niveaux. Parfois c'est connu, c'est plutôt le niveau. Dans les années 50-60, pour exemple, la haïtienne qui était publiée à tout à l'heure, qui parle au Canada. Et c'était des bons intellectuels, des particuliers, qui étaient les peuples de l'ex-dictature. Je viens, nous donnons une population, sous chaque 100 haïtiens capables, il y a 70 haïtiens qui devraient être présents. Cela veut dire que nos populations sont toutes les maisons. Mais je n'ai pas dit pas une génération spontanée. C'est parce que les dernières années, nous choisissons côté nos fonds politiques qui participent sur la construction, qui permettent que les liens de des fondements. Je vais parler des fondamentaux. Qui sait, nous allons dire, est-ce que nous sommes capables de parler d'un pays pour ne pas dire oui? Est-ce que nous sommes capables de parler d'un pays pour ne pas dire oui? Est-ce que nous sommes capables de parler d'un pays pour ne pas dire oui? On voit même que nous allons vivre dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement, dans l'état de droit. Parce que je n'ai pas parlé de l'état de droit, c'est l'application de la loi de droit. Mais en fait, comment vous voulez parler du développement sans. Pour aller, c'est même déjà pas connu dans le pour aller à l'université et de sur 6e année. Le clair, donc, on a fait l'équipe de 6e année pour aller à l'université. C'est même là avec le pays. Et c'est pour ça, nous-mêmes, nous avons décision, ça. Pour nous travailler pendant 5 ans, pour nous créer les conditions, le pays de la Bible, de faire un base solide pour construire. Il y a des postes qui permettent que Haïti capable de recevoir une quantité petite parce que la population qui s'est renouvelée, même si nous n'avons pas participé pour lui, mais quand même, j'ai envie de dire, pour ne pas participer, c'est pour le faire bien, pour ne plus le risque pas. Et c'est ça, je veux dire. Mais après, j'aimerais travailler. Mais la structure, donc les conditions, pour nous dire, au tout d'un pays, on va faire la stabilité politique, dialogue social que nous provoquons avec les États-Unis dans le secteur de la nation, tout le monde, tout problème. Par exemple, je dis en prévention, mais on va connaître si ça fait une frappe à tissu comme ça, parce que quand on fait une musique haïtienne, mais là, Dieu, je ne crois pas Dieu, c'est le gros problème que nous avons. Quand on dit que les États-Unis, c'est ça le problème. Nous avons la presse, le problème du jour, nous pouvons parler de eux, qui promettent. Solution de chercher ensemble. Crise politique. Politique, c'est candidat à la jeunesse du gouvernement de l'élection. C'est-à-dire qu'on est au gouvernement. Une élection qui fait un pays, deux heures de temps après l'élection qui fait, résultat partiel là, qui est un problème. Pour qui c'est l'élection qui nous fait? Et puis c'est pour ton, quel est le résultat partiel de l'élection? Et puis ton, il y a encore des résultats définitifs. On mettait PIA, mon standard, pour son pays, mais déjà, tout pays soit. L'élection fut faite, deux votes par rapport, tout le monde a mis le résultat. Même que vous n'avez pas. Ça, il disait, état généraux, c'est ça, on va le dire. Dans le niveau de la presse, problème qui vient, nous ne parlons pas les deux, qui permettent que solution, nous cherchions ensemble. Crise politique, politique ici, candidat à Jambet, c'est toujours voler l'élection. Ça dit, il faut nous arriver dans le point. Pour qu'il y ait une élection qui est faite dans le pays, deux heures de temps après l'élection a fini faite, résultat partiel là, tout le monde connaît. Et puis c'est pourtant 15 jours pour résultat partiel l'élection a fini. Et pourtant un mois encore pour résultat définitif. Ce n'est pas possible. Il faut nous mettre le pays à nos standards pour son pays, même déjà tout pays sous la terre. En élection fini faite, deux heures de temps après, tout le monde. Là, nous parlons de mettre le sous-rail, bonne gouvernance là, extrêmement important pour nous tous dans mettre le pays à sous-rail. Parce que, ou pas cap dit, ou après le travail dans l'infrastructure, et puis, maintenant, bonne gouvernance là, nous pas travail pour lui, pour nous améliorer les conditions, la vie, pour que l'État, nous vienne mettre l'État au service du peuple là, tout bon vie.
corruption, moi-même m'a dit et me répéter encore un an après, moi joigne que bagaille grave et au tellement grave, moi parler aujourd'hui de prévention de la corruption. Moi pas voulu parler de lutte contre la corruption encore. Parce que lutter contre la corruption, c'est lutter contre le système, parce que la corruption fait système en Haïti. Maintenant, il faut nous travailler pour nous faire prévention. Comment on comprend l'État, le gouvernement, d'ailleurs, le ministre, vous parlez dans la radio, tout le monde entendait. Je prends l'exemple du ministère des Affaires sociales. Regardez qui quantité de chèques qui ont gagné, quantité de duplication qui ont gagné dans l'État, presque 23 000. Nous connaissons niveau ministère de l'Éducation nationale. Dans un an, il a récupéré 78 millions de gouttes. Ministère de la Santé publique, tout ministère, c'est ton chute libre. Côté l'argent de l'État. Et l'argent. En fait, est-ce que je dis en bataille contre corruption, son publicité m'a fait avec lui, c'est persécution politique m'a fait avec lui? Je n'ai pas fait ni publicité ni persécution politique parce que je suis le chef de l'État. Moi là, moi-même, pour qu'on y a, à travers le gouvernement, pour nous mettre balise, j'en sais ce fait là, nous pour qu'on signe avec le Fonds monétaire international. Mais ça n'a pas empêché nous que nous travaillons. Nous connaissons que grand pile pression qui fait sous maigre sous nous vient entre eux, ministre finance et grand pile pression, mais en fait nous pouvons recevoir l'aide dans mes pays amis parce que nous pouvons signer avec le Fonds monétaire international un an après. Mais ça n'a pas empêché tout le travail que nous avons fait, ça n'a pas empêché que 123 millions de dollars d'équipement acheté pour travaux publics avec le ministère de l'Agriculture, pour aller gagner presque 27 millions de dollars d'équipement acheté pour dîner pas avec mairie, qui va permettre pour nous commencer le travail assainissement tout bon vrai, pour que dîner pas, direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, qui t'est tourné un gros, non, pas même qu'à disons ONG, parce que dîner pas, pas servi, peuple là. Appel d'offre la fête, équipement est beaucoup entré, mais en fait, dîner pas dans la structure, son entité qui est là pour mettre de l'eau pour mon bois, mais dîner pas, il est gagné les mains et les pieds liés parce qu'il n'y a pas gagné comme équipement. Jodi, nous prenons une décision pour nous mettre accessoires et équipement dans dîner pas, qui permettent que jodi, nous prenons mettre direction ça au service peuple là. Mais pour le fait, c'est lutte contre corruption. Lutte contre corruption, nous parlons de problèmes dans l'État, mais lutte contre corruption, elle est transnationale tout. On prend route Kaye Jérémie, combien de copes que le coûte l'État haïtien? 300 millions de dollars. C'est ça le coûte. Il y a 9 ans depuis la construction. N'a fait exactement même route là qu'absout Kafoujov qui revient sa foule. Même route là pas coûter l'État haïtien 30 millions de dollars. Mais avec équipement, il faut dire que l'État a un équipement et l'État a un bénéfice là fait. Il avait dit, on a dit, équipement l'État a gagné que son privé qui a fait route là, l'État a fait bénéfice 200%, route là a coûté 90 millions de dollars. Bon problème, mais en fait, c'est connu de tout le monde. Route là a coûté 300 millions de dollars, le profit. Ça fait que c'est des réalités, je dis, que nous-mêmes comme président, administration publique là, gouvernement, administration politique là, peut face à lui. Est-ce que je dis, nous sommes capables de dire corruption, c'est fonctionnaire public, c'est pour nous mettre tout fonctionnaire public, pour nous juger tout fonctionnaire public? Non. Pas ça, nous dit. C'est bataille, ça nous commence à mener. Qui commence pour tes résultats, côté nous calculer que nous presque économiser plus passer 500 millions de gouttes par mois en un pays. On y a comme ça, l'on regarde 6 milliards, l'on a fait comptabiliser 6 milliards de gouttes par année. Ça fait près de 90 millions de dollars qui peut être dans la poche des gens. Il y a des gens qui sont en prison. Maintenant, dans la rue, il y
gen bay k ap di yo pa jan marite. Nou gen 27 moun ki nan prison pou korupsyon nan peyi. Men nou konnen ke droits humain tout an moun yo prezume innocent ou pa kase nan la presse pou mete yo gen de gwo institisyon fermé ki konn chanje chak l'état ki fermé ke la justice pose se le sur. Gen moun ki tap travay la bok ki nan prison. Ça veut dire lutte que n'a mené son lutte réelle, mais c'est pas une persécution politique pour ne pas rendre mon à l'aise dans pays pour n'a détruire pour n'a faire assassinat pour n'a pas assassiner caractère monde, c'est pas ça n'a fait. N'a font lutte son prévention liée pour aujourd'hui hein, après 5 ans de pouvoir pour nous quitter un pays côté citoyen lors pour job l'état ou connaît que job la loi fait ou son sacerdoce que lui même j'en moi-même président aujourd'hui hein. Comment pour après 5 ans une président et puis l'aime fini pour attendre que m'y ait combien de dizaines de millions de dollars ou bien centaines de millions de dollars non bon ça veut dire et aujourd'hui nous clair pour nous dire que l'État nous mettait le service peuple là mais pour le faire non seulement nous parler de lui Luc Niagaro. Bonsoir tout le monde, moi c'est Luc Niagaro, je travaille pour Radio Actuelle Métropole. Président, ou non contexte bilan et un an et au bail perspective qu'on gagne pour l'autre 4 ans, si j'ai allé vers BRH pour des financements et gagné un déficit budgétaire de 5 milliards de gourdes déjà que BRH avançait le gouvernement. Est-ce que vous comptez changer stratégie dans exécution projet ou par rapport à contrainte ça qui c'est l'argent pour éviter que nous tournions dans un gourde à 70 pour un dollar? Jean, il commence à déraper là à partir de déficit budgétaire ça. Deuxième aspect que vous permet que me capable demander route que n'a fait yo, gagner des réflexions qu'a fait sous l'eau journée jodi a par rapport avec couyo, gagner des monde qui dans domaine là qui estime que c'est par rapport à qualité route là que le cap coûté aussi bas. Est-ce qu'on va faire des routes pour 3 4 prochains mois ou on va faire des routes pour 5 10 20 à cap vin là? Ban un petit détail sous aspect ça dans le travail. Je commence par la deuxième question, bien en tant que ministre public là-bas. La deuxième aspect question, parce que faut me dire que pas de secret dans le fait là, route c'est ingénieur, c'est le monde qui construit, c'est le laboratoire qui fait analyse. Et pour information, par où, laboratoire national du bâtiment et des travaux publics qui en Haïti là, pas gain yon compagnie privée qui vient font route ici pour c'est pas laboratoire national qui bon visa le étudiant vient fait. Ça veut dire aujourd'hui à laboratoire national c'est lui même qui fait étude sur toute route n'a construit. Ça veut dire monde qui bail visa même c'est lui qui fait étude. Ça c'est un. Deuxième chose. Construction route yo pour nous clair pour nous dire m'a pas rentrer dans détail avant. Là pour construire 1 km route pour faire revêtement 1 km route en moyenne nous besoin 15 000 gallons de bitume. C'est ça où il est, l'huile asphalte là, j'en peux pas là. Le galon aujourd'hui, hein, coule sous marché international là, il est aussi entre 1,15$ et 1,50$. Il dit multiplié par 15 000, on fait un exercice. Ça fait 22 500$ pour un kilomètre. Gravier avec sable, on est dans la rivière. Et le ministère de la République aujourd'hui, il y a un document que le fait depuis peut-être 10 ans. Sur les bancs d'emprunt du pays. Elle dit qui côté qui a bon matériau pour mélanger au fait. Ça veut dire des matériaux qui sont testés par le laboratoire national. Là. Même son compagnie privée vient là, c'est le laboratoire national, le ministère de la République qui vous dit, maintenant qui revient pour vos matériaux. Bon, l'autre exemple. Gravel, usine qui vient, usine d'agrégat et d'asphalte qui vient camper. Usine en panne, bon, l'autre usine qui pipe, une usine privée. Nous allons acheter matériaux pour faire travaux de revêtement. La boîte nationale testé matériaux, les gains 3 pages, il n'est pas bon. Ça veut dire à moins que 2 km dans la rivière. Côté gravel, ça a placé, c'est la matériaux à bon. À moins que 2 km, matériaux, ça va bon. Et dans tout pays, à net, c'est qu'on s'allie, ça veut dire l'État, que, bon, donc, pour une raison, pour l'autre, nous sommes dans la terre net, là, l'État, ça, c'est le gain de toute connaissance. C'est un coup, hier, mandé, ndim da remé 1er mai commencer honorer moun nan pays a. C'est pas possible moun a fait trop bail nan pays a. Ndi mais faut qu'on arrêter pour bail
pour protocole bay moun yo par niveau yo grade yo des plaques d'honneur en pensant que pas de gen loi déjà et puis les faire recherche depuis le président Vincent te gen loi pour ça toute plaque yo là c'est commandé pour nous commander seulement qu'on y a ça dit pour me dire que pays fontablier son pays gen 214 ans indépendance ça dit grand pile moun qui t'en vend nous que te travaille et la science c'est ça lié ça prend chita sur ça qui fait pour venir innovation. Elle dit route yo yo bon marché aujourd'hui hein. C'est pas on nous pas venir entrer dans compétition avec privé. Au contraire. Revêtement m'bon pris le côté. Pris bitume non et puis agrégat qu'on jeune dans rivière besoin de gaz dans dans usine non pour faire le marché. Ça veut dire pour font kilomètre tout besoin peut-être 1000 gallons gaz pour faire agrégat pour font kilomètre. Elle dit multiplier par combien prix gaz là et ouais qui pris le côté. Mais nous même nous dit nous prend référence yo. Jodi an, lè ou gen 1 mètre carré de béton bitumineux, prix standard international, prix mètre carré, c'est entre $12.50 et $17, nous même nous offrons 14. C'est ça seulement lié, ça veut dire jodi an, 1 kilomètre de revêtement, lè l'État fin préparé terrassement, nous disons, c'est $100,000 que nous payons pour faire. Mais, grâce à la compagnie privée, comment c'est travail, au moins 3. Ça veut dire travail qui fait dans Kafou Joffre, son compagnie privée qui fait. Travail qui fait dans Concoc Vaudreuil, son compagnie privée qui fait. Dans Vilokai, nous avons une rue qui est plus longue, qui mesure 1,2 km, son compagnie privée qui fait. Ça veut dire l'État travaille, compagnie privée travaille tout. Mais je dis, il faut dire tout, nous voulons ça clair dans la tête de tout le monde. Moi-même, dans la réunion que j'ai eu avec certains entrepreneurs, j'ai fait des réunions particulière avec eux. Ils ont avoué que le plus gros problème qui fait route la chair comme ça, c'est une question de monsieur pourcentage qui est dans l'État. Je dis à moi, pas de monsieur pourcentage dans le ministère de la Finance, c'est ça seulement. On sait de monsieur pourcentage, ça veut dire si les gens fait route là, ils font le crédit, dollar monté, et puis les mêmes, ils ne peuvent pas toucher, et pour les gens demander le 30%, ils font bénéfice. C'est ça, c'est un profit à vous retirer. Tout ça, lutte contre la corruption permet que je dis, hein, nous avons 1 kilomètre de route qui est raisonnable et qui est de qualité. Et nous-mêmes, comme journalistes, nous demandons pour nous regarder dans tout le travail que nous avons fait. Pour nous garder, fouiller, nous garder, poser des questions. Pour nous connaître comment ingénieur qui a comment il travaille, laboratoire national qui est là, ingénieur topographique. Cap bail tout grid pour tout qui ça a fait fouiller j'ai nous regarder et puis gars oublier c'est l'état qui gagne meilleur cap dans niveau ça même le ministre tout à l'heure a parlé avec moi comment il a chercher gens pour retirer grain cap dans même comme ça mais on va le travail pour que cap nous vient dans l'état aujourd'hui à dans niveau infrastructure routière cap ça arrêter parce que c'est des bons ingénieurs c'est des monde bien formés par bon exemple laboratoire national aujourd'hui nous gagne ou dans la faculté des sciences, moi crois que gagner un groupe qui a fait des master 1 et master 2 en géosciences. Ça veut dire la laboratoire national gagne 20 ingénieurs qui a pris formation ça. Ça veut dire laboratoire pour le renforcer. Et directeur laboratoire national là par exemple, son professeur dans l'école de génie PIA. Il dit nous avons toutes les ressources mais sauf que l'État, j'aime te dire nous pas mettre moun yo en confiance pour qu'ap travail et jodi an c'est ça qu'ap fait nous mettre en confiance pour travail. Deuxième volet question c'est za fait déficit budgétaire là et côté n'a besoin ressources faut nous dire clair bon réponse parce que moi même m'a déposé question en tout que me déjoigne nan niveau cabinet moi nan niveau gouvernement en tout nan même ministre finance le 1er octobre, les poster première quinzaine octobre là, c'est qu'on y a pour aller faire contrat. Ça veut dire appel d'offres lancé. Après appel d'offres là, ou à travailler commencer. Ça prend 3-4 mois. Aïe, vous faire octobre, novembre, décembre, janvier. L'État commence à dépenser l'argent, vous voyez, à partir de mois, disons, mars. C'est là que l'État commence à dépenser l'argent. Je dis qui s'est passé.
caravane changement tout profiter répondre parce que question Robert dernier trois volets ça fait me répondre deux mais tout profiter répondre niveau pour me dire que caravane n'a pas un budget pas c'est même gens sont delivery unit caravane qui ça le fait caravane son stratégie qui dit que administration publique là il y a des fonctionnaires gouvernement il y a des ministres ministres politiques président politique premier ministre politique mais les administrateurs de l'État, l'autre fonctionnaire, c'est des fonctionnaires qui ont des carrières. Mais eux-mêmes, c'est des mandats qu'ils ont. Même là avec moi, pour nous, qui s'en fait. C'est pas qui s'en fait. Nous mettons stratégie. Nous disons que nous allons augmenter, et nous disons dans la campagne. Moi, je dis que je fais l'État passer de 10% rendement à 30% rendement. Et ça m'a pas de nous aujourd'hui. Il faut entendre la campagne. Pour nous entendre samedi, Dieu par rapport à ça, m'a fait. Moi, je dis que je fais l'État sortir de 10% rendement à 30%. Ça veut dire, maintenant, travaux publics, environnement, agriculture, nous mettez force sur eux pour nous dire aujourd'hui, mais où ça là, c'est où vous faire, il faut qu'on fasse, ou besoin de moyens pour faire, nous mettez moyens à disposition pour faire. Caravane n'a pas un budget qui est, on rubrique notre budget national à créer les caravanes, mais en fait, c'est pour nous dire, pour structurer le marché, nous mettez en coordination sous pied. Qui vient des anciens ministres là-dedans, des anciens cadres supérieurs de l'État, qui a travaillé pour coordonner tout système, non, qui pour permettre que nous respections les délais, travail fait dans le temps et travail en qualité. Mais en fait, ministère, qu'on y a, ce n'est pas un contrat qui a exécuté, c'est ministère qui commence le travail. On prend un exemple, Germoplasio. Je fais pause première pierre, cinquième, centre Germoplasio là, dans la fin de semaine. Je peux bien préciser samedi. Dans la fin de semaine passée. Ça veut dire, un an, il y a 5 centres Germoplasio. Pause première pierre, il y a une qui est inaugurée. Il y a l'autre qui finit, qui peut inaugurer là. Route, regardez combien de kilomètres de route qui est asphalte et qui est bétonnée dans le pays déjà. Gardez barrage Marion, par exemple, que nous allons déraper. Son barrage qui parle de réservoir de 10 millions de mètres cubes d'eau sous lui. Mais tout ça, c'est des travaux qui nous ont effectués en régie. Qu'on y a, nous gagné coup de main, ministère des Forces, parce que jeunes militaires, ils ont commencé à coup de main sérieusement dans la zone noire, surtout, dans les travaux. Ça veut dire maintenant, tant que nous pas tant que c'est à partir d'appel d'offres, ça, parce qu'il y a appel d'offres, il y a là, tout. Ça veut dire qu'il y a des travaux pour déraper avec des gens dans le privé à partir de mars avril. Mais nous-mêmes, l'État, nous prenons devant. Ça veut dire déficit budgétaire que pile monde a parlé, attribué à une dépense que le gouvernement fait qui n'est pas respecté, qui est hors norme. Il y a une situation alarmante. Mais en fait, nous-mêmes, nous. Si on se dit, c'est financer le développement. Mais pour nous financer le développement, c'est un financement développement. Financement développement, nous clair pour nous dire que partenaires nous rencontrer, ça veut dire que nous prenons 8 petits gros. Nous voulons parler des partenaires multilatéraux et des partenaires bilatéraux. On parle de multilatéraux, nous voulons parler du système des Nations Unies, de Banque mondiale, de BID, de l'Union européenne. Bilatéraux, nous voulons parler des États-Unis, le Canada, la France et l'Espagne. Avait dit, nous considérons les gens qui sont plus gros, c'est des gens qui dépensaient environ 100 millions de dollars ou plus que 100 millions de dollars par année dans le pays. Avait dit, 4 partenaires bilatéraux, c'est dans le niveau sacré. Et multilatéraux, c'est presque. C'est plus que ça, 200-250 millions par année. Elle dit, l'on garde 8 partenaires ça seulement. Nous gardons ça ou bien comme enveloppe sous pays. Je prends BID comme exemple. Il gagne 200 millions de dollars par année. Comme enveloppe sous pays. Je prends le Canada, il gagne 100 millions de dollars comme enveloppe sous pays par année. Ça veut dire, si nous prenons 4 partenaires bilatéraux, presque 10 ou 400 millions de dollars. L'enveloppe par année sous pays, l'on prend 4 partenaires multilatéraux, nous gardons agence dans les Nations Unies, PAM, UNOPS,
nude, qu'on regarde le volume qu'on prend dans le dépenser dans le pays. Nous avons facilement parlé de 1,2 à 1,4 milliards de dollars par année qui viennent sous le pays. Et bien maintenant, je vous dis, le premier ça pour nous faire, c'est pour nous regarder avec mon cher, et c'est ça que nous commençons à faire. Et nous profiter pour nous tout dire que, par exemple, un partenaire multilatéral d'un coup, commence lui-même, il refait la programmation là par rapport à la priorité. Nous. Maintenant, pas oublier, partenaire, ça a aussi plus gros problème qu'on a. Là, il a fait programmation. Programmation, c'est yon. Maintenant, c'est exécution. Exécution, maintenant, pile ressources humaines. Et c'est sur ça qu'on a travaillé tout pour les gens qui a préparé le projet à temps, qui a fait supervision travaux. Et c'est sur ça nous est. Mais, en fait, en matière de financement, parce que n'a pas parlé de l'aide au développement, en matière de financement, l'aide là, et je vous dis, nous-mêmes, nous disons, nous allons nous mettre pour nous faire que c'est notre priorité, nous, que financement y aller. Merci, en pile. Bonsoir, Monsieur le Président. Amélie Baron pour Agence France Presse RFI. Où t'es parlé, où t'es gain, volonté, promesse, campagne énergétique là, accompagné étranger, qui le ou a lancé appel à candidature pour projet ça. Merci. Merci, très belle question. Et moi, je pense que peut-être il y a un bon problème de communication qui fait sous l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Parce que nous bientôt lancé premier appel à manifestation d'intérêt pour nous ouvrir marché pour Tivil. Là, je parle de Tivil pour nous comprendre. Toute ville dans l'étude que l'électricité d'Haïti fait à travers le ministère des Travaux publics et ANAC aujourd'hui, hein, toute ville qui a une consommation de moins qu'un mégawatt, nous considérons comme un micro réseau qui va l'installer pour nous lumer ville ça. Et dans 146 communes qui sont dans le pays, il y a 130 qui font ça. Ça veut dire que c'est à peine 16 communes avec la zone métropolitaine qui les mêmes besoins, qui consomment 80% de besoins en électricité que le pays a gagné. Premier appel à manifestation d'intérêt ouvert. Il est ouvert depuis tantôt 2 semaines. 2 semaines et bien, c'est 4 semaines. Après 2 semaines, il y a pas fait. Avec tout le monde qui vient, qui est intéressé, nous avons pile de monde. Dans niveau ça. Je pense que d'ici la fin de ce mois, pour ne pas dire avant fin mois février, appel à manifestation d'intérêt pour gros l'estomac, gros groupe, la pouvait, pour tout pays, y compris la zone métropolitaine, tout le monde qui vient. Mais seulement, appel à manifestation d'intérêt, il y a clair, des thèmes de référence, cahier de charge, pour qu'on ait qui matrice énergétique que nous prioriser, dans qui zone. Et dit besoin énergétique pour presque 600 MW là, la pouvait à partir de fin mois, au plus tard. Beaucoup, Président. Et bien, n'apprend Sabine. Et bien, n'apprend Robertson Alphonse. Merci, Martine. Monsieur le Président, bonsoir. Ministre, bien content avec nous. Monsieur le Président, vous parlez par exemple de route Kay Jérémy en 300 millions. Nous connaissons ce bit qui finance ce lit. Vous parlez par exemple de 15 000 salles de classe. Nous avons besoin de programmes d'équipement et de formation de professeurs. Direction départementale, 100 km de route par année. Combien d'ingénieurs cap formés? Donc, il y a possibilité pour que. Et vous avez des précisions sur ça. Mais, nous sommes journalistes, nous sommes citoyens haïtiens. Pendant un an que ce passé, quand j'entends vos opposants parler de vous, il y a une étiquette. Il a toujours été la donne. Il a toujours été inculpé. Un an après, ou presque un an après, le juge Brédy Fabien, pourquoi rendre l'ordonnance? Il y a des gens qui considèrent bah, ça comme une espèce de nuage. Il y a des gens qui disent son petit wash dans le soulier. Même besoin comme au port, comme on vive lui. Et dernière question, M. le Président, qui a un rapport avec l'actualité. Ça a un rapport avec le dossier Petro-Caribéa. Au niveau du Sénat, il y a une séance qui est faite. Il y aurait les séances là. Oh, merci, pardonnez-moi. Oh, les deux. Oh, ok, les mieux. Merci beaucoup. Et gain des sénateurs minoritaires, hein, Monsieur le Président, qui est les séances là. En séance, c'est Echampouel. Il dit majorité a rangé colis pour que eh ben, pas de lumière qui fait ça. Et quelque part, il dit ça participer dans la ligne politique parce qu'à Paris, il dit pour le premier rapport, il y a un système là où font gens pour faire le freiner.
comme quoi, pas ta volonté politique, l'utilisation de fonds pétro-caribéens. Beaucoup de choses sont dites. Maintenant, je pose la question dans le souci de vous écouter, Monsieur le Président. Merci. Premièrement, ma commencé par explication technique. Pour me dire que le nous dit 100 km ou pas direction départementale, là, chaque direction départementale gagne topographie. Il a dit qu'il y a plusieurs ingénieurs en haut et des techniciens. Et il y a des ingénieurs résidents, peut-être plus que 4. Et puis, il y a le directeur départemental, tout technicien. Mais c'est pas, forme claire, c'est des gens qui étaient là, qui ont touché comme l'État déjà. Toute direction départementale lui existait, là. Mais il n'y a pas d'équipement. Moi-même, moi, passé dans le Nord-Ouest. C'était une inspiration. Moi, je jouais un opérateur, me dit, monsieur, depuis qu'il est opéré en l'odeur, monsieur, mais peut-être en l'air, monsieur, pas songé depuis qu'il est opéré en l'odeur. Mais chaque là, vient nous monsieur, chaque mois. Ça veut dire, toute direction départementale lui, c'est gagné, employé. Mais sauf que, en bas, il n'y a pas de équipement, il n'y a pas de moyens pour le travail. Et, pour faire salle de classe, vous me dites, vous, que, vous parlez de 15 000 salles de classe, ça fait 1 300 écoles, nous réalisons. Si nous, il y a des PME qui dans le pays, plan, l'école, le ministère, éducation nationale, il y a 3 plans, valider 3 plans. On plan côté l'école en béton armé, on l'autre plan côté l'école en bloc, on l'autre plan côté l'école là, dans le style, gingerbread. Et tous les trois écoles, ça, yo antisismique, yo parasismique, paracyclonique. C'est des modèles, l'école 9 plus 3. Ça veut dire 9 salles de première à 9e année fondamentale et 3 salles de préscolaire. Parce que jusqu'à présent, dans le pays, préscolaire à 100% privé. C'est pas possible pour tout le monde en 26 ans à joindre l'école de l'État pour y aller. Elle dit nous-mêmes, nous avons travaillé pour toute construction de l'école qu'a fait pendant le reste mandat. Pour gagner 3 salles de préscolaire côté tout monde dans l'école en 26 ans. Ça veut dire à partir de 3 ans tout monde dans l'école. Formation des professeurs. Nous connaissons le système là, nous connaît que je dis à grand pile monde là qui regarde qui attendait, c'est un système qui a pile problème surtout dans niveau compétences professeurs. Formation continue, nous connaît ministère de l'éducation nationale un gros programme de la travail sur lui. Qui a même font sorte de certification pour professeurs après au fin formé. C'est pour sanction non? Si on a un système là, yo formé et puis ensuite yo ba une certification. Mais en fait, science de l'éducation, retour science, on connaît plusieurs facultés sciences de l'éducation dans le pays aujourd'hui hein? Et nous par exemple l'État, l'école normale supérieure, c'est un pile travail qui pourrait le faire pour nous mettre système éducation réellement pour ce bon système d'éducation qu'on l'est. Parce que dans le domaine, ça nous a pile problème. Il faut le dire. Parce que, ou un système éducatif en Haïti qui est à vitesse multiple. On va même dire à double vitesse. Il y a plusieurs écoles dans le pays. Il dit, il faut nous capables de arriver à un point côté pour payer en seule l'école. Mais qui est normal, il y a l'école pour ressortir sans eux. Dans tout pays, hein. Mais en fait, le système, non, nous travaillons pour que, non seulement construire salle de classe, oui, mais, formation, formateur, lien important pour nous. Maintenant, nous entrons dans deux, dans la question qui vient de voler. Premièrement, je dis que nous avons dit que la justice fait le travail. Mais je ne vais pas entrer dans le détail. Je dis que je ne vais jamais faire. Je me dis non, je ne vais jamais faire depuis le président. Mais je me dis que je suis caribé. Je me compte en goud. Non, bok. Banque l'envoie certificat contre un goud. Je vous dis à compte un goud de 100 dollars. Ça veut dire conscience, pas ma conscience équipe moi. Nous tranquilles, nous attendons justice pays. Nous attendons que ça prend le temps qu'il faut. Mais compte nous un goud. Et pays ça, pendant le mandat PAM, pas de personne qui a subi persécution politique sur ce mensonge là-dedans. Nous pouvons commencer à répondre à la deuxième question. Leur groupe qui campait par la manifestation, à bas Jovenel, pour Jovenel aller et autres. Et constitution claire, au monde, ou élu président pour 5 ans. Et puis, fomentons au papier. Qui vient plus passer 50 gros mentis là-dedans. Jodien, une bon, entité qui relève, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Qui là, lui-même, même ministre là, qui sont des ordonnateurs de l'État, c'est le coût supérieur des comptes qu'il a pour bail.
de qui baille on arrêt, c'est soit on yo on quitus, ça veut dire on arrête quitus toute bagarre était bien passé, ou bien bon on arrête de débat pour dire que ou il y a problème dans gestion arrêt de débat rien doit mettre dans situation grave même dit en prison pour aller, ou bien on permet tout corriger son rien pour corriger s'il y a des quoi pour remettre et autres. Même pas aucun côté dans la constitution qui dit que parlement ils font dossier et puis ils vont la justice. Je suis le garant de la bonne marche des institutions. Je suis le chef de l'État, le président de la République. Je dis à ma là pour me protéger chaque citoyen et m'appelle envers et contre tous jusqu'à ce que madame n'a fini. Parce que me dit le pays a victime trop. Les victimes trop de monde qui a assassiné caractère. Monde peut entrer dans la politique dans le pays. Tellement. Bonjour nos ministres. Est-ce que nous comprenons qui misère mon président passé pour nos ministres? Merci. Merci. Pardon, Télévision nationale d'Haïti? FIA. OK. Bonsoir, président Jovenel Moïse, et membre cabinet ministériel du conseil président. Non, pas c'est Sabine Jean-Étienne. Je travaille pour Télévision nationale d'Haïti. Et moi, marché en pile dans le programme Caravane, moi, j'ai un pile projet qui est en cours. Et en fait, en même temps, qui dit projet, dit création d'emplois, dit main-d'œuvre. C'est des projets à caractère, c'est des projets générateurs d'emplois. Donc, pour première année, est-ce que ressources humaines, c'est dans l'État ressorti, combien taux d'embauche là? Si on a parlé de création d'emplois, est-ce que il y a plus de nouveaux et embauche que et ressources dans l'État? Très bien. Ça, c'est une question qui vient sur moi souvent. Alors, même pas de parole, je me rencontre toujours à poser une question pour nous connaître combien d'emplois que Caravane Changement a créé. M'a dit que dans chaque côté nous arrivons dans le pays, surtout dans les travaux de construction, parce que nous connaissons deux secteurs qui bail en pile job, yon qui est l'agriculture, l'autre la construction. Et si on parle de croissance dans le pays, c'est le secteur construction même, c'est les mêmes qui yon dans le secteur clé, côté qu'on est capable de créer emploi. Mais faut moi dit TNH, que je dis, moi pour qu'on ait chiffre. Moi connais que l'équipe là travaille pour nous chiffre exact sur combien d'emplois qui crée dans le pays. Parce que faut nous dire, en pile d'emplois, c'est des emplois temporaires. Avec des analyses extrêmement difficiles, par exemple dans Camperin, nous sommes arrivés dans un moment dans Camperin, c'est Camperin tout nos marchés, son gros marché, on descend dans Camperin, mais marché ou pas qu'à marché dans Camperin. Parce que tout le monde a travaillé. Mesdames, vous travaillez plus dur, parce que monsieur. Ça veut dire, parce que font travail comme ça pour mettre 3 près 2 km en béton hydraulique, c'est un pile main-d'œuvre. Avec du reste, route l'en fait, parce que nous. Route la mesure pour presque 12 km route, mais reste en fait en asphalte. Mais une partie la donne, c'est en béton hydraulique. C'est un pile job, mais nous pouvons gagner chiffre. Et au moment opportun, presque la connaît combien de jobs temporaires et jobs permanents que Caravane a créé dans le département. Même si vous avez un point, moins fait, parce que sous question, Robinson n'a encore sous affaire de route. Kaye Jérémy, ce n'est pas BID seulement qui finance route là. BID entre, au contraire, dans fin financement. Forme dit que financement, nous avons l'État haïtien, nous avons le Canada, qui la donne tout. Son route qui est en première entreprise, tout le monde connaît, c'est OAS, qui tape fait, qui sont entreprises brésiliennes. Et ensuite, on vient en partie l'État tape fait, 30 km, 18 km, qui est 13 km qui fait la donne, moi-même, je viens faire 5 km qui était après 18. Et puis, nous avons gagné Istria comme on l'autre entreprise, là, que BID, fin, bah, un contrat de 38 millions de dollars pour finir le reste de route là. Et c'est ça qui fait route, ça a moins dit, le coûté 300 millions de dollars. Et les gagnants 9 ans de développement construit. C'est ça qui est pire là, puisque 100 km route, 9 ans. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Ce sont donc les derniers mots du président de la République dans le cadre de cette conférence de presse bilan du premier anniversaire du président de la République comme chef de l'État haïtien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
télévision et puis station radio qui te fait qu'aucune chaîne effort pour être en direct avec nous. N'a pas le temps pour nous souligner qui radio satellite, radio télé Macaya, télé chaîne 6, radio télé Nami, radio télé Grand Sud, radio télé La Brise, radio Vibration Inter, radio Oriental, radio Contact Inter, radio Canary, radio Musique, radio Massacre, radio Lambi, Dari FM, New Star, Le Natal, Mai FM, radio Tête à Tête, radio Télé Timoun, radio Télé Tradition, radio Télé Tradition, et puis radio Télé Amani, dans son Port-au-Prince, Scoop FM, Télé Pluriel, merci beaucoup, monsieur le président. Scoop FM, Télé Pluriel, Métropole, Pacifique, Superstar, Vision 2000, Galaxy, TNH, Guinée, RTVC, Pimambou, Miami, et quelques radios dans France. Radio Télé Guinée et Radio Kiskeya. Alors, on va bravo tout pour Télévision Locale. Remercier tout le monde, tout le monde la presse surtout, qui t'a fait déplacement. La remercier tout le président de la République qui t'a permis aux journalistes de poser des questions dans le premier anniversaire dans le pays d'Haïti. Encore une fois, merci, monsieur le président de la République.